Bienvenue sur Rock Moderne pour une spéciale bande originale de films, de mangas, d'animes, de séries, Netflix, etc. De films fantastiques. Et on va commencer par ce très beau disque et bon disque, excellent, excellent, de 1984. C'est la BO de la Compagnie des Loups, The Company of the Wolves. Je ne sais pas si vous avez vu le film en 1984, moi je l'avais vu au ciné et j'ai également le DVD. Donc c'est l'histoire du petit chaperon rouge en loup-garou, version loup-garou. Et avec Sarah Paterson, Angela Lansbury et David Warner, et un film de Neil Jordan qui avait réalisé Entretien avec un vampire. Vous voyez, tout un programme. Voilà, donc 1984, si mes souvenirs sont bons. Ou dans ces eaux-là, moi je pense c'était 84. Donc très joli DVD, vous voyez. Compagnie des loups et une bande originale donc de George Fenton. Voilà, je cherchais. Musique de George Fenton et le disque est encore scellé. Je crois c'est un Island Records et on va le déceler. C'était le dernier de la planète qui restait encore scellé. Ben, je vais quand même l'ouvrir pour pouvoir l'écouter parce que il est vraiment excellent. J'ai écouté sur YouTube, c'est vraiment excellent. Donc Terre Records, Eton Music, Shogun Music, voilà. Donc 1984, c'est bien un pressage anglais normalement. Très joli macaron, vous voyez, bien, bien phosphorescent. Assez sympa, il est en très bon état. Évidemment, il est neuf. Hein. Bon, il vaut mieux les payer un petit peu plus cher et moi, c'était pas très en demande, mais les avoir scellés plutôt qu'après les nettoyer, tout ça. Ça devient un peu compliqué. Donc, très bonne BO, hein. Excellente. Et là, on voit des images d'ailleurs du film. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, hein. C'est l'histoire du petit chaperon rouge avec Mère Grand, tout ça, version loup-garou. Voilà, pas mal du tout. Ensuite, un autre que j'ai eu scellé également, c'est le Mad Max 3 avec Mel Gibson, Beyond Thunderdome avec Tina Turner et le fameux titre. Musique de Maurice Jarre et de Tina Turner qui chante We Don't Need Another Hero, version longue sur le LP. Et également la même disponible en maxi. Je vous avais déjà présenté le maxi. On dirait qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur. Assez épais. Alors, comment faire pour. Ah, c'est curieux, on dirait qu'il y a quelque chose. Alors, déjà, on va enlever ça. Ah oui, parce que c'est un. Et oui, il est scellé, mais c'est un gatefold. C'est un gatefold, donc je vais essayer de l'ouvrir. Ce serait bien de conserver le blister parce qu'il est d'époque, mais. Bah, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. C'est vraiment dommage, mais voilà. Il était encore scellé. Et je crois que c'est un. Ouais, c'est ça, c'est un gatefold. Il me semble, hein. Je ne voudrais pas faire de bêtises. Rendez compte. Et ça date de 85, ça, non? Ouais, 1985, chez Capitol Records. Pathé Marconi, c'est pressage français. Voilà, pressage français, donc. Allez, bon, on va arracher tout ça, tant pis. Allez, hop, hop, hop. J'avais eu scellé aussi, mais tant pis. C'était. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc voilà, l'hélice comme il se présente. Et on a évidemment l'intérieur qui est magnifique. Ouais, c'est neuf. Hein. Tout est neuf. C'était pas cher. Hein. Pas cher du tout. Avec un joli petit poster. Voilà, les deux héros. Et Capitol Records, pochette, vous voyez, pochette française, ça je pensais Capitol Records, très joli macaron, donc pressage français 1985. Et le film, je regarde quand même, musique par Maurice Jarre.
donc qui dirige le Royal Philharmonic Orchestra, voilà. Et donc on a produit par George Miller, voilà. Alors ensuite, dans le même genre, mais un petit peu après, la suite de Alien et Aliens. Alors, le retour de Ridley Scott, qui avait réalisé le premier Alien en 1979. Et comme les décors avaient brûlé, donc, de toute façon, on ne pouvait rien récupérer pour le Aliens suivant, de 1986. Donc, on ne pouvait rien récupérer. C'est pour ça qu'il y a une différence de décor. Alors, dans Prometheus, par contre, ça se situe dans le temps avant le premier Alien, avec la fameuse Ripley, hein, Sigourney Weaver. Et donc, j'ai cherché l'année, c'est 2012, voilà, PO de 2012, réédité en 2021. J'ai eu un mal fou de l'avoir, parce que c'est une édition limitée en 1000 copies, chez Music on Vinyl. Et il a été vite sold out sur la Fnac et Amazon. J'ai même pas pu l'avoir en pré-order. Et là, donc, j'ai pu l'avoir, je crois, au Danemark, en Hollande, enfin, Pays du Nord, à un prix tout à fait normal, au prix régulier, si ce n'est les frais de port, donc aux alentours de 35 €. Voilà. Alors là, on voit bien le. Je sais pas si vous connaissez le film, le vaisseau qui avait atterri sur la planète où se trouvait donc ce fameux virus. Toujours une question de virus. Alors, Prometheus, musique par Mark Steinfeld, en reprenant, je pense, le thème quand même de Jerry Cole Smith du premier Alien. Voilà, pas bonne BO. Je vous avais présenté d'ailleurs dans ma vidéo spéciale Alien et Aliens le coffret donc du premier Alien et aussi la version de Mondo du Prometheus. Le Prometheus. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Il y a pas mal de choses, je sais. On a déjà, voilà, le professeur Elisabeth Shaw de la Weyland Corporation, bâtissons des mondes meilleurs, et le fameux Android, puisque chaque mission a son Android, qui va se retourner un peu contre l'équipage. Je vous en dis pas plus. Vous connaissez sans doute toute l'histoire. Très bon film. Moi, j'ai bien aimé. Certains disent que les deux premiers sont les meilleurs. Bon, après, bon, c'est vrai que les autres, j'aime pas. Alien 3 et 4 et 5, tout ça, j'aime pas trop. Mais ce Prometheus avec Alien Covenant, c'est pas mal. C'est les deux suites qu'il y a eu. Voilà. Donc c'est pas mal. Et on a aussi une jolie. Ouais, une jolie ça, c'est l'intérieur du vaisseau Covenant, enfin du vaisseau ou Alien, je sais pas comment on peut dire. Extraterrestre. Ah, c'est pas mal du tout. C'est très joli. Très joli. Et là, l'intérieur, non. Ouais, il y avait juste ça, je vous l'ai montré. Je vous le remontre quand même, c'est vraiment très 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 joli. Vraiment joli. De l'autre côté, les disques, hein, c'est donc un genre de bleu fumé, chiné, translucide, assez sympa. Assez sympa, avec un beau macaron. Bon pressage, hein, de toute façon, Music on Vinyl, certainement meilleur que le Mando. Voilà, et puis là aussi, pareil, c'est exactement le même disque avec un joli macaron du robot. Alors, je vais voir s'il y avait peut-être une distribution à l'intérieur. Non, musique de marque Steinfeld. Voilà. Ah, si, là-bas. Donc, Ridley Scott, évidemment. Nomi Rapace, Michael Fassbender, Guy Pearce, Idris Elba, Logan Marshall Green, and Charlize Theron. Ce que je peux vous dire sur. Alors, l'édition limitée n'est pas marquée ici. Numéro. Attendez, je vais regarder. Donc, déjà, je vous montre la distribution pour ceux qui voudraient avoir des petits renseignements. Voilà. Et je pense que le numéro maintenant est sur le. Oui, donc j'ai l'exemplaire 19 sur 1000, hein, pourtant, et les sold out. Alors c'était tout début des pressages. Maintenant, mettre le numéro ici.
C'est dommage qu'ils ne mettent pas ailleurs. Bon, ensuite, on a donc trois séries Netflix. Hein, donc, je vais aller plus vite. Donc, Earthquake Bird, voilà, donc une série. Music by Atticus Ross. Je vous avais montré déjà deux disques de Invada Records, Lake Shore, où c'est donc évidemment Atticus Ross et Leopold Ross et Claudia Sarn à l'époque qui avaient fait la musique. C'est américain, je crois. Et là, donc, on a aussi Atticus Ross, Leopold Ross et Claudia Sarn aussi, américaine. Donc, pressé sur Fluorescent Pink Vinyl. Voilà. Donc, c'est à la fois un Lake Shore et un Invada. Pas de frais de douane supplémentaires pour le moment. Ouais, série Netflix. Je regarde s'il y avait. Bon, enfin, on va pas s'appesantir. Moi, j'ai surtout. C'est pas pour les séries, j'aime pas trop certaines séries. Mais disons que la musique m'a plu. Pas mal du tout. Un petit peu original. J'ai bien aimé ça, j'ai bien accroché ça. Voilà. Valeur sûre. Donc, par contre, bon, ce sont des disques d'une vingtaine d'euros. Alors, c'est pas un coupon de téléchargement en fait. Vous pouvez accéder à la chaîne et aller sur leur streaming et écouter en streaming, mais vous pouvez pas télécharger. Voilà. Et là, on a évidemment un disque 140, 180, 140, je sais pas exactement. Voilà. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Earthquake Bird, Netflix film. Voilà. Ensuite, on a le fameux Rebecca, musique par Clint Mansell. Ça, je vous en avais présenté beaucoup. Assez épais. Donc là, il doit y avoir certainement Two Vinyls. Two Vinyls. Two Records. En fait, c'est pas la peine de dire Vinyls. En anglais, Records suffit largement. Production Rebecca, Lily James, Armie Hammer, Christine Scott Thomas, Thomas Kelly, House. Voilà. Si vous voulez, la distribution, elle est ici. Toujours pareil, un petit coupon, non pas de téléchargement, mais d'écoute en streaming. Série Netflix, hein, parce que là, ça bat le record en ce moment, avec de très jolis extraits de la série. Par contre, on a eu, vous voyez, il y a eu un petit, ça c'est dans le transport certainement, il y a eu un petit patch. J'espère que le disque n'a rien, je vais regarder. Non, ça va, ça n'a pas transpercé. Mais c'est vrai qu'il souffre un petit peu dans le transport. Regardez ça, c'est magnifique, c'est rouge. Très bonne BO aussi, excellente. Hein. C'est pas à cause de la couleur. Hein. 140 peut-être, 140 grammes. Très joli Bordeaux fumé. Au revoir mon ami, je t'aime mon petit. Le deuxième est identique. Avec quand même encore des petites traces de débardage encore. Il faut aller vite. Hein. Faut presser de plus en plus vite. Mais là, les prix sont pas excessifs chez eux, c'est ça qui est bien. Voilà, ça, une excellente BO aussi. Et puis alors aussi une magnifique BO. I lost my body, j'ai perdu mon corps. Donc c'est un anime français pour une fois, de 2019 et en 2000, je crois que c'est en 2020. Donc Invada a sorti la BO. Donc c'est un gatefold, on va pouvoir l'ouvrir. Et donc la musique est de Dan Levy. Donc, très 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 bonne. Excellente musique. Très moderne. Très bien. C'est pas du Various, il me semble pas. J'ai perdu mon corps, etc. Donc dirigé par, enfin, réalisé par Jérémy Clapin. Produit par Marc du Pontavis, vous voyez. Là, on va essayer de garder le, pas le blister, mais garder le l'autocollant, enfin le sticker. Voilà. Hop. Tout ça de côté.
très joli. Mais alors ça, c'est bon, c'est du lourd et c'est encore disponible même en édition limitée. Je pense que les gens sont passés un petit peu à côté, mais au moins c'est du français, enfin en partie. Voilà. Très beau film animé. Voilà. Et vraiment pochette fidèle au dessin animé. Et on a évidemment des disques de différentes couleurs. Je croyais un rouge, peut-être un bleu, ou je ne me souviens plus. Avec la main. Mais ça, c'est du 180 par contre. Très joli. Très joli disque. Et là, qu'est-ce qu'il y avait dedans encore? Non, il n'y avait rien d'autre. Ah oui, regardez ça. Magnifique. Superbe. Superbe, superbe. Et voilà, c'est un bleu évidemment. C'est pas très original, mais la BO vaut son pesant d'or. Je ne sais pas si c'est l'édition limitée, je me souviens plus. Peut-être qu'elle est plus disponible. C'est possible que ce soit l'édition normale, mais quand même colorée. Ensuite, une édition sold out limitée de chez Waxwork, Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Donc après le premier épisode de 1990 et la BO qui est épuisée depuis longtemps chez Waxwork, on a eu le 2. Et qui était déjà sold out en pré-order, donc The Secret of the Oz, le secret de la lumière, je crois, donc par John Dupéré. Donc voilà, c'était sorti en 91 à l'époque, et là ils l'ont sorti en 2020. C'est vraiment, le pré-order était de 2020. Je crois qu'on a pu, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, en 2021, et c'est sold out depuis longtemps, vous voyez. Teenage Mutant Ninja Turtle, vous voyez, sold out. Oh, bon, je ne vais pas vous dire toute l'histoire, on n'a pas le temps. John Dupréez, Craven Eastman, voilà. 1991. Bon, c'est un. Je sais pas si c'est. Ouais, c'est un Gatefold. N'ayons pas peur des mots. Allez, on y va, franchement. Allez, 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 hop, 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 hop. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Faut être court. Faut être concis. Faut être brillant. Voilà. Et petite édition donc. Ninja Nap by Vanilla Ice. Ah oui, c'est vrai. Il y a le Ninja Rap de Vanilla Ice dedans. J'avais oublié de vous le dire, évidemment. Comment ne pas l'oublier? Alors, donc là, je vous ai montré tout ça, les crédits. Toujours une pochette ultra, ultra résistante à l'américaine. Regardez ça, c'est beau. Ça a été sold out rapidement, une semaine, il n'y en avait plus. C'était genre Daft Punk un peu. Et regardez ça, une édition phosphorescente échinée, vous voyez, mais mat, hein, pas translucide. Très beau macaron aussi, voilà, aussi assez varié comme musique, hein, c'est pas mal. Alors, dans un genre un petit peu différent, mes voisins, le fameux Evangelion qu'on rencontre un peu partout, qui a été décliné en 6 versions différentes, je crois. Et là, je ne sais plus. Donc, Fnac, c'était quand même assez abusé. Voilà, nouveauté. Donc, c'est ma fille qui l'a acheté, qui est au lycée et qui me l'a prêté. Vous voyez, elle a été ouverte, elle l'a déjà écouté. Et je l'ai écouté avec elle pour une fois, et c'est vrai que j'ai bien aimé, mais bon, c'est de la variété japonaise un petit peu, mais c'est pas mal. Bon, Évangélion, donc je crois que c'est les anges qui attaquent une planète, enfin, etc. Bon, ma fille m'a expliqué ça. Finally, Évangélion, Finally. C'est sold out, hein, certaines versions sont déjà sold out aux États-Unis, sorties en 2020. Voilà. Alors, qui sait? Et la musique est de bien sûr. Yoko Takahashi, voilà, en partie. Attendez, je l'avais vu ailleurs, bon, voilà. Donc là, vous pouvez voir un petit peu les crédits. Si je monte à la lifette, bon, c'est sans fioriture, hein, il n'y a que de vinyle. Bon, ben, on regrette, il n'y a pas de pochette anti-statique, mais c'est l'édition, je crois que c'est la sixième édition. Voilà, c'est la sixième, celle-ci. Voilà, c'est assez joli. Translucide aussi. En fait, plus foncé, hein, que. Voilà,
Voilà, c'est ça. Là, on est vraiment dans la vraie couleur, dans le vrai ton. Bon, 100, 180 peut-être, ou 140, je ne sais pas. C'est quand même assez résistant. C'est ce qui compte, c'est pas voilé. Et ça, c'est fait par Sony, évidemment. Hein. C'est Sony, je crois que ma fille me l'avait dit. C'est Milan. Milan Records. Ouais, peut-être Milan. Sony, oui, c'est ça. Sony, distribué par Sony. Bon, là, celui-ci est pareil. Pareil. Donc, chaque disque est unique. Hein. Le splatter est différent selon les disques. Vous n'avez pas acheté les 1000 qui sont sortis dans chaque sorte. Enfin, je suis sûr qu'il y en a qui ont collectionné les 6 versions. Et puis, alors, le dernier, My Hero Academia. Aussi, on est toujours dans le Japon. Donc, là, c'est un anime. Évidemment, je crois que japonais. Et là aussi, ça c'est aussi ma fille qui me l'a prêté. Voilà, quand on était à Lyon, elle les a achetés. Vous voyez quand même, c'est des disques à 40 euros, prix Fnac, et qui étaient à 30. Voilà. Donc, petit achat avec l'argent de poche. My Hero Academia. Alors, pareil, c'est un super-héros qui n'est pas né super-héros, qui a été initié par des super-héros, enfin en gros c'est ça. Musique par Yuki Hayashi, donc toujours sur le Japon, donc c'est un anime, et c'était sorti en 2019. Evangelion, je crois que j'avais le aussi, elle m'a prêté son, Evangelion m'a prêté son Blu-ray, qui était sorti en... Oh, je... Même avec mes lunettes, je vois plus rien. Faut que je refasse mes lunettes, là j'ai une ordonnance. Je crois qu'Evangelion c'était sorti en 2020 ou 2000 par là. Ouais, j'arrive pas à lire l'année. C'est dingue, il n'y a pas l'année. Peut-être là-dessus. Même pas sur le disque. Enfin, je sais que c'est assez récent, Evangelion. Et ça, c'était sorti donc en 2019. Voilà. En 2019, je vous remontre donc musique donc de Yuki Hayashi, ceux qui sont mordus de BO de manga et autres doivent connaître. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à lire Yuki Hayashi. Voilà, je montre un petit peu plus près. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a donc toujours deux disques. Hein. Deux disques de couleurs différentes. Assez sympa, avec une pochette anti-statique. Non, non c'est pas anti-statique. Voilà. Un petit peu souple, je pense pas que ce soit du 180. Couleur citron, un peu jaune citron, translucide. Pas mal. Pas mal du tout. Acheté en prix nouveauté parce qu'après. C'est catastrophique, hein, vous m'avez compris. Et là, un joli vert aussi avec des chinés aussi. Je ne sais pas si vous voyez les traces. Légèrement, vous voyez? Là, c'est pas des heures. C'est dans la masse. C'est fondu dans la masse. Voilà. Comme si c'était du verre un peu. Du marbre un peu. Superbe. Ça aussi, c'était pas mal. La BO, c'était pas mal du tout. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc 23 minutes déjà, comme le temps passe. Et alors, pour conclure, ce que je pouvais vous dire, c'est que le vendeur de la Fnac m'a dit qu'il y avait beaucoup de références, y compris le dernier Black Keys, là, que je vous présenterai incessamment sous peu. Eh bien, la version numérotée et limitée de la Fnac était bien sûr sold out depuis longtemps, dès les pré-orders. Mais la version normale est déjà sold out chez le label. Et il y a beaucoup aussi de disques qui circulent chez les disquaires, qui sont en stock chez les disquaires et qui sont déjà sold out chez le label, notamment OK Computer de Radiohead, je vous l'ai dit, et tant d'autres aussi. Il y a pas mal de Cure aussi qui sont sold out. Voilà, après, il va y avoir encore certainement des represses, hein, ça c'est tout un business. Mais les usines de pressage, tant à cause du Covid qu'à cause aussi des problèmes d'acheminement et de production, de la demande, l'explosion de la demande. On a eu presque 28 millions de disques vinyles vendus l'année dernière, en 2020, malgré la crise. Et donc les usines n'arrivent plus à fournir. Parce que au départ, si vous voulez, les labels
hésitent à produire comme autrefois des 40 000 d'un coup, 50 000, comme ils faisaient, par exemple, un Cure sortait un album, ils ont pressé 50 000 ou 100 000, et puis ils gardaient des stocks pendant longtemps, ils s'en foutaient parce qu'ils allaient les vendre. Tandis que là, à cause du streaming du CD, ils veulent pas trop stocker, donc ce sont des petits tirages, des fois 10 000, des fois 20 000 maximum. 1 000, enfin, et quand c'est sold out, ils hésitent à represser encore une seconde presse, une seconde represse. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de références qui sont de plus en plus difficiles à obtenir. Regardez Daft Punk, par exemple, où c'est vraiment distribué au compte-gouttes parce que, en fait, les références sont pas sold out, les usines de pressage refont, mais n'arrivent pas à fournir la demande. Voilà. Ils font par 5 000 ou 5 000 copies, et dès que ça sort, ben c'est pris d'assaut, surtout pour Daft Punk. Voilà. Donc, c'est plus des quantités comme autrefois. Et en plus, les usines ont du mal à produire, peut-être à cause de la crise, elles ont du mal ensuite à honorer les commandes. On a eu chez Lasad Records le dernier Resident Evil 2, nouvelle mouture. Donc, je crois de 2019-2020 par là, qui va sortir en 2022. Les pré-orders sont ouverts pour l'édition limitée et normale, donc depuis juin 2021, et ça va sortir, c'est prévu en février, donc avec des retards pour mars 2022, c'est-à-dire 9 mois. Donc, 9 mois de pré-order, c'est abusé vraiment. Voilà, parce qu'ils encaissent l'argent et puis ils font travailler l'argent, et vous, vous tirez la langue et vous attendez, vous attendez, vous attendez des mois et des mois. Donc je me demande si c'est vraiment si valable que ça de faire des pré-orders si longtemps à l'avance. Voilà. Donc il me reste plus qu'à faire une vidéo sur les nouveautés pop-rock et puis les imports neufs américains du début des années 80. Alors je ne sais pas si je ferai la même vidéo, ou là je pense faire deux vidéos différentes aussi. Voilà, donc 26 minutes, ça va, je suis dans les temps. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, laisser vos commentaires. Vous êtes nombreux à avoir apprécié la vidéo du Disquaire D à Lyon. Et en deux volumes, hein, bien sûr, en unboxing et puis sur place en live. Vous avez été assez nombreux à laisser vos commentaires. Voilà, salut, à bientôt.